14 giugno 1940. I tedeschi aprono Auschwitz. Fanno parte del complesso 3 lager principali e 39 sottocampi di lavoro. La superficie complessiva è di circa 40 km quadrati. All'interno di questa superficie hanno sede anche alcune aziende agricole e di allevamento modello volute personalmente da Hitler e nelle quali vengono impiegati i deportati. Il numero di prigionieri rinchiuso in questo campo è fra le 15.000 e le oltre 20.000 persone. In una piccola camera a gas vengono uccise circa 70.000 persone. Poco dopo viene aperto anche il cosiddetto Auschwitz II, Birkenau, nel quale perdono la vita circa 1 milione di persone, per lo più ebrei e zingari condotti alle camere a gas immediatamente dopo il loro arrivo. Et voilà comment ils étaient lorsque l'armée rouge les a libérés. Entrés à Auschwitz, les soldats soviétiques leur ont dit « Sortez, vous êtes libres, libres pour toujours ». Tout d'abord, ils n'ont pas compris. Ils étaient incapables de marcher. Étaient-ce des vieillards débiles? Cet homme à l'aspect sénile est âgé à peine de 42 ans. Ils affrontaient la liberté sans avoir l'audace d'y croire. Bojana Taus, une Yougoslave, et la petite Katharina Berg, une Tchèque. Les plus faibles étaient assistés de médecins soviétiques. On dut en transporter un grand nombre sur des civières. L'armée soviétique libéra 2819 prisonniers. De tous les baraquements sortent des prisonniers. Ils ont tout d'abord besoin de soins médicaux. On les envoie dans des hôpitaux soviétiques. Katarzyna Unger n'a pas connu la liberté. Quelques heures avant la libération, on l'abattit au cours d'une tentative d'évasion.